Dès qu'on toujours tendé à dire qu'il pleut qu'il tonne, entièrement à chanter à 4 de l'après-midi. Même pas de jamais penser que pays d'Haïti à travers gouvernement t'a agi comme ça ensemble avec peuple là. Côté audio qu'il pleut qu'il tonne pouvoir, c'est ça que eux même y a cherché et y a kembel par n'importe qui moyen, ça qui veut dire qui te mêlé ou mourir, qui te mêlé ou nan gangou, qui te mêlé la vie chère à pété fielou, qui te mêlé petit ou pas à l'hôpital, qui te mêlé petit ou pas à l'école. Donc c'est mission ça que gouvernement gagne, yo mission qui suicidaire mesdames et messieurs. Côté yo saboté 7 fois 77 fois tout ça au gain dans jacoutio pour peuple, eh bien sorti bol poison y a marché distribué par-ci et par-là. Situation pays d'Haïti a vinn pi compliqué toujours depuis après assassinat président Jovenel Moïse. Nous gagnons PM qui décidé li doul pas fanyen pour permettre élection organisée en de pays a, puisque si c'était ça m garanti nous gon paquet bagaille qui pa t'a privé. André Michel, mesdames et messieurs, encore une autre fois, li arrivé écrit sous page X li comme quoi, yon force internationale, c'est ça que y a cherché dans le moment, puisque c'est celle ça qui est capable d'aider le pays. Ensemble, nous pourrons connaître exactement qui sa poste ça lui-même l'a dit, et nous pourrons mettre exactement dans le contexte que maître André Michel lui-même lui arrivé écrit poste si là. Il y a deux Colombiens parmi 16 qui sont en prison, mesdames et messieurs, qui étaient à présenter devant juge Walter Wessel Voltaire sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Ensemble, nous prenons des déclarations. Maître Marc-Antoine Maisonneuve, qui représentait Colombien Silayo, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. La bagaille compliqué. Puis devant, nous avons Guy Philippe qui déclarait que peuple haïtien et gouvernement, surtout chambre Sénat, est vendu li bay blanc. Mais qu'on y a là, il pourra libérer par des personnes qui sont capables d'empêcher de rentrer dans le pays. Ensemble, nous prenons le temps de déclaration Guy Philippe. Mesdames et messieurs, programme humanitaire par qui institué par administration Biden-Harris a continué jusqu'à novembre côté Afghan. Yon décision qui prend. Nous prenons la déclaration Friendly de Denis Julien qui prend nous plus de détails sous procès qui était fait dans le jour qui saute passé ou là sous question programme humanitaire. Même si nous pas de le programme dans lui-même la continue. Nous connaissons des séries qui n'est pas 250 jours qui gagne 260 jours depuis Abton président Joe Biden. Union nationale normalien ak édicaté haïtien yo lancé yon pinga bay Nesmi Maniga qui c'est ministre éducation nationale ak formation professionnelle en jeune cher fils qui c'est yon responsable nan union si la pral ba nou plus détail nan un titre qui pas trop long côté yo critiqué ministre qui pas prégué rien sérieux en da pays d'Haïti. C'est toute information avec diverses notes qui pral faire essentiel actualité nous jodi a. Bonjour tout le monde, bienvenue sous plateforme Panou Nopam. C'est Fabiola Jean-Charles et c'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caille avec quick information ça. Bien avant nous aller plus loin, après un temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commentez, qui partagez. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité. Yon moun qui dans entourage ou rete abonné ensemble avec plateforme si là, puis yon capable toujours rete connecté avec bon information. Jeudi à ce jeudi 20. Oh! Jeudi à ce jeudi 30 août 2023. Mesdames et n'a parti direct ensemble avec tweet que met André Michel lui-même li fait. Faut que nous suspendons dit tweet parce que réseau social mounio parle Twitter encore. Donc il parle Twitter, donc il est possible pour ça qui sorti dans l'IA c'est tweet. Nous prenons parti ensemble avec Maître André Michel, mesdames et messieurs. Maître André Michel déclaré, SDP condamné à toute force, attaque bandit criminel, assassin qui m'a ressuscité, avec politicien toute qualité, cap cherché pouvoir, fait sous commissariat Savane Pistache là, hier, mardi 29 août 2023. Position SDP clair, nous besoin une force internationale pour aider PNH à mettre sécurité dans le pays. SDP a
supporté la police nationale d'Haïti. De coup, nous capable remarquer que secteur démocratique ak populaire a supporté la police nationale d'Haïti alors que nan époque que Jovenel Moïse tout est sous pouvoir, moun sa ote prend plaisir seulement puis ote capable critiquer la police ça comme quoi la police a pas remettre rien, la police a livré peuple à bay bandi, la police a lui-même la craser manifestation, la police a contre militant yo, la police pas après rien sérieux. Les Jovenel Moïse dit même il était gagné pouvoir puisque c'est contre pouvoir ça il était campé. Jodi an la SDP lui-même l'a supporté la police nationale d'Haïti à la chou et c'est vraiment mignon pour nous garder que moun sa yo pour capable joindre ça yo besoin, yo pas hésiter, yo pas peur, yo pas crainte pour yo craser, yo pas peur pour yo assassiner, yo pas peur pour yo bouler, pour yo ratiboiser, juste pour capable joindre ça yo besoin qui c'est yon force internationale. Et si pour ça faut que yo bouler tout commissariat yo, si pour ça faut que yo fait divers moun dans quelques zones dans zone métropolitaine ak environ yo courir quitter kayo pour aller réfugier dans la rue, yo prêt pour faire ça. Yo paré pour yo capable faire ça parce que mission a qui s'allie exactement c'est OK? Faut que États-Unis ouais, faut que l'ONU ouais gagner vraiment urgence ak obligation pour yo capable voyer yo force multinationale en dans pays d'Haïti. Si yo rete en silence, si yo pas fait dégâts, si yo pas fait tant de voyou, si yo pas fait assassinat, m'garantou décision ça qui prend le 15 septembre li pa jam sorti en faveur yon force multinationale. Alors que Antonio Guterres proposait deux options. Deux options, mesdames et messieurs. Première option Antonio Guterres lui-même li proposait, c'est que yo accepté gagner yon force multinationale qui vini pour soutenir la police nationale d'Haïti. Deuxième option que yo proposé, c'est financer force qui déjà sous place yo, qui c'est la police nationale d'Haïti avec l'armée d'Haïti. Mais ça moi qui passe actuellement là en Afrique, au Gabon, au Niger, au Mali, m'garantou que ni États-Unis ni gouvernement Ariel Henry pa jam d'accord financer l'armée puis yo capable camper en face bandi puisque selon eux-mêmes yo capable tout profiter faire un coup d'état. Ali Bongo président n'est pas deux fois papa était dans le pouvoir, papa il mourit, papa il passe le pouvoir. Donc ça veut dire ce pouvoir qu'il a depuis l'année 1960 jusqu'en 2023. Donc je veux dire là, peuple Gabon dit yo pas capable avec Ali Bongo encore. Donc yo décidé faut coup d'état sous lui. C'est ça que Ariel Henry ensemble avec tout alcoolite yo peur en pays d'Haïti. Yo peur que l'armée a lui-même li levé campé pour le capable faire une révolution. Yo peur que l'armée a levé campé pour bailler un coup d'état. C'est ça que fait nous, ouais. Y a manipulé l'armée à comme ça. Y a quitté à l'école puisque ça qui a passé là pas supposé rentrer dans intérêt l'armée. Mais tout jour entendez, y a voyé prendre formation ceci, y a voyé prendre formation cela. Mais là dans semaine là, l'elle fait commencer à là où entendez, y a voyé 100 militaires à prendre formation sous qui ça sous comment puis manœuvrer drone. OK? Donc nous capable comprendre que moun sa yo yo fait tout ça au connaît, yo fait tout ça au capable pour écraser pays d'Haïti. Non, ce situation qui compliquée. Ce situation qui vraiment compliquée, mesdames et messieurs. Deuxième point que nous gagnons pour rouge ne jodi en la chita sous ancien sénateur là qui c'est Guy Philippe qui actuellement là en prison aux États-Unis depuis environ 6 l'année et bien enfin qui capable peut-être joindre libération dans jour qui a venu là selon Guy Philippe gros paquet monde qui paraît pour capable faire échec ensemble avec retour li en Haïti. Il critiquer gouvernement s'il a tout qui a pas géré problème pays a ensemble. Nous va attendre déclaration Guy Philippe. Depuis que je suis petit, depuis que je suis fait, un groupe de monde prend Haïti, il a crasé un pays, il a sous son pays, il a fait un monde panique, il a fait un monde peur. Il a vendu mon baron blanc, sans dossier, sans rien, sans preuve. Il a arrêté sans mandat, sans rien. Il a livré mon baron blanc.
Je fin fait temps m'a rentré dans pays m'kou ni m'tande privé Nenel Kassi comme l'autre là Camille droit on qui corrompu penser que ou cap paniquer m'a rentré dans pays le pour rentrer là et tout monde a connu qu'il m'a rentré deux jours à l'avant m'a fait tout monde connaît à qui le dans qui vol m'a rentré si nèg yo veut touyer il y a bien chance pour touyer parce que m'pa faire bac devant vagabond cap craser pays comment pour m'ta faire croiser bras pour quitter vagabond craser son pays comme ça si monde pas à l'école monde pas à l'église. Regardez comment une équipe innocente a marché, comme un assassiné. Pasteur, je pense que c'est le seul monde en Haïti qui dit que le pédale est haïtien. Au moins, il essaye, au moins il pense. Au moins il reconnaît que c'est intolérable. Si ça arrive, tout le monde va mourir. Ah bah, il y a parlé espagnol, bon côté de Philippe. L'État n'a pas de responsabilité. La police n'a pas de responsabilité. L'armée n'a pas de responsabilité. La société n'a pas de responsabilité. Son pays est responsable. Alors, qu'on y a là pour lui, je vais vous montrer dans le pays, besoin. Et pour vagabond t'a dit m'pas qu'à rentrer si moi rentrer y a pas attaquer si moi rentrer y a touyer et bien y a bien chance pour touyer parce que m'a rentré et m'a fait connait qu'il m'a rentré si kounya c'est pour tout le monde de bien caché pour quitter vagabond pour pays ou bien si moun de bien mettre tête dehors pour dire vagabond stop yo rive trop loin moi c'est le temps pour chaque haïtien prend quand pour décider ça vous voulez faire ou bien n'a accepter Haïti rentrer dans fond trou y a fouiller là ou bien nous même n'a camper comme un garçon comme femme pour nous dire non ça arrive trop loin ça pas continuer. Il y a tout yim, il y a assassiné. Vekele. M'attend yo. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ancien sénateur et opposant de Jean-Bertrand Aristide, Guy Philippe, qui déclarait que gagne Nenel Kassi, que gagne un prix vert qui préparait pour capable faire assassiner. Toutefois, s'il t'a rentré en dans pays d'Haïti et en tant que citoyen de la terre d'Haïti, c'est une responsabilité pour le capable venir goumer auprès du peuple haïtien pour le capable joindre yon souffle. Peuple a besoin d'aller en souffle. Peuple a pas capable encore. Peuple a bouqué. Peuple a prouqué, mes amis. Bagay yo trop compliqué dans le moment. Non, bagaille vraiment trop compliqué dans moment. Eh bien, n'a tourné en Haïti ensemble avec assassinat président Jovenel Moïse. Mesdames et messieurs, plus passé 25 mois depuis yo assassiné président Jovenel Moïse, enquête la pas fait, yo pas kita, yo pas nago et gouvernement ensemble avec la justice haïtienne pour que j'en fourni moyen nécessaire ensemble avec juge pour capable gérer dossier assassinat fait président républicain Jovenel Moïse et nous rappelons nous que gagné juge Walter Oser Voltaire qui a instruit dossier si là qui t'a envoyé yon demande bail. Eh bien, clown nous gagne, et pas clown non, comment te carré Poto nous gagne comme commissaire du gouvernement Elder Guillaume, et qui te transféré le ministre justice jusqu'à présent là, après tenir une réponse, pour PM Ariel Henry capable de paraître en tant que témoin sous dossier assassinat président Jovenel Moïse pour le venir à côté qui ça le connaît de dossier si là. Et bien, mesdames et messieurs, gagne 16 Colombiens environ qui sont en prison, puisque ils ont été extradés de là-dedans. Et bien, je dis là, nous gagnons deux parmi Colombiens qui étaient passés devant juge et ensemble avec avocat Marc-Antoine Maisonneuve. Entendez des déclarations, mettre là. Oui, mieux. Pour le moment, le débat nous pas dit. Et nous prenons des précautions et nous espérons que lumière a fait un dossier ça. Parce que s'il fait attention, non seulement la beaucoup de famille Jovenel, mais la beaucoup nous. Hein? La beaucoup nous. Parce que pas mieux. Ouais, ça très important. Ouais, l'injustice pour youn, c'est l'injustice pour tout. Ouais, la justice pour youn, c'est la justice pour tout. Et si nous devons prendre bagarre là comme ça, pays va d'approuver le là. Donc là, mon victime en bataille pour justice capable de faire pour que demain nous capables d'épargner. Merci. Donc ça vient dit là, selon maître Marc-Antoine Maisonneuve, Colombien, yo, c'est victime que yo victime, mesdames et messieurs. Nous connaissons ça qui belle dans l'histoire parce que moi-même considère monsieur ça tant son traite à la nation. De série moun pas qu'à planifier, yo prend l'argent, yo mange, yo dormi, yo chita, yo dit yo pral assassiner yo président parce que yo gè sa commission, président qui paye, président propre pays ou et pour prendre son printemps ou traité ou ap di moun sa yo c'est victime que yo ye. Bon si moun sa yo victime et nous même qui ça nous ye
Si moun sa yo victime et nous même peuple haïtien yo assassiné président nous qui ça que nous et famille Jovenel Moïse qui ça que yo ye jounen jodi an là nous wè que li clair guide série moun qui pas supposé rete sous scène politique sous scène justice sous scène économique pays d'Haïti sous scène sociale pays d'Haïti moun sa yo nous supposé écarter yo catégoriquement de tout ça qui a passé en dans pays d'Haïti parce que c'est poison que yoye. Non, moun sa yo, c'est poison que yoye, mesdames et messieurs. Donc là, Marc Antoine Maisonneuve a défendu Colombien yo qui est en prison, nan assassinat président Jovenel Moïse, que li estime qui vraiment innocent, qui bagay en yon pour ensemble avec dossier si là, c'est un piège qui ont été tombé. C'est un piège qui ont été tombé. Mais me rappelez Mario Antonio Palacios Palacios qui actuellement là aux États-Unis, mesdames et messieurs, qui en plus de ça, t'es plaidé non coupable sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, lui-même gagne détail que te bail. Il gagne détail que te bail, donc ça veut dire Colombien ça yo participé de près ou de loin dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Mais qui est cap défendre yo? Sont haïtiens. Moi-même, je considère tant que son traite à la nation. Je considère tant que son traite à la nation. En tout cas, mesdames et messieurs, ouverture l'école en dans pays d'Haïti, bah, vraiment, en pile problème côté divers dirigeants, divers directeurs d'école, divers professeurs déclarés. Yo pour comparer, pour capable l'ouvrir l'école ensemble, nous pourrons attendre des déclarations. Madame Angine Cherfis, qui est responsable parti féminin en dans Union nationale normalien ak éducateur haïtien yo. Ensemble, entendez Angine Cherfis. Premier objectif là, c'est présenter normalement et parler, critiquer comportement irresponsable ministère éducation nationale, plus précisément ministre Nesli Maniga, qui pas fait un yin pour qui pas prend aucune disposition pour permettre à ce que réouverture des classes li possible. Deuxième objectif là, c'est dresser un bilan sous processus examen officiel qui s'est déroulé et dans année 2022-2023. Maintenant et dans ça qui gagne à question réouverture des classes là. Eh bien nous capable constater journée aujourd'hui ministre Nesli Maniga sur tout réseau sociaux, li sur toute radio, l'a annoncé la une réouverture des classes qui fixée pour le 11 septembre cap vin là. Et bien Unoye lui-même li constate, constat que Unoye fait, et bien c'est que ministre là li pas tenir compte de aucune réalité. Li pas tenir compte de réalité yo, parce que c'est un ministre qui croit en fait lobby. C'est un ministre qui croit en faire propagande et c'est un ministre qui était toujours à faire qui toujours a fait nous croire que l'école pas qu'attendre alors que l'école là a un ensemble de difficultés, un ensemble de problèmes qui handicapent bon fonctionnement l'école en dans pays. Si nous prenons par exemple situation sécuritaire là. Donc journée aujourd'hui nous capable constater que l'État n'est pas jamais arrivé satisfait de demande sociale qui gagne en question éducation. L'État n'est pas jamais arrivé normalement établi de conditions réelles pour permettre bon fonctionnement de l'école. Là. Eh bien, je vous dis, nous voyons que Jean Uno est toujours qu'on a dénoncé. Eh bien, insécurité a lié à gagner terrain, insécurité a continué à handicaper l'école. Là. Insécurité a continué à fait l'école là victime dans le pays. Donc là nous considérer année 2022-2023 qui était une année qui était faite sous fond de crise avec question insécurité, un ensemble de petits monde qui était obligé quitter salle de classe et nous connaît normalement qui ça ça libral bail en termes de délinquance juvénile et bien petits monde ça était obligé déserter. On sait de l'école t'es obligé fermer porte par exemple zone pleine zone mortissant et journée jodi an quantité l'école ça yo augmenté parce que nous gagne de zone tant que Cafoufeuille côté que ti moun yo obligé à déserter l'école yo obligé à fermer porte donc insécurité li vinn encore une fois
paraît un handicap pour bon fonctionnement de l'école. Donc, ministre Nespi Maniga, nous voyons que ce n'est pas un ministre qui est soucieux de l'éducation, ce n'est pas un ministre qui prend responsabilité comme ministre de l'éducation, parce que si un ministre de l'éducation, s'il te prend responsabilité, eh bien, nous t'apprenons, je ne dis pas que c'est un ministre qui t'a supposé dans toute radio à faire de plaidoyer pour permettre pour demander gouvernement de facto Ariel Henry pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays, pour protéger droit que tout le monde a pour aller à l'école, gens que la Constitution a demandé ça. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'était madame Angeline Cherfis qui s'est responsable en dans une oye. Eh bien, n'a continué ensemble avec information parce que nous capables de remarquer que ministre Nesmi Maniga lui-même il montrait que la travail lui-même, il montrait que la travail la ponte, la descend, la travail quand bien même à la côté gécosé papa. Et tout de suite on a fait un coup de pied dans programme humanitarian parole président Joe Biden institué depuis janvier 2023 qui sont passé à la côté Nicaragua, côté Haïti, Venezuela, Panama à capable rentrer directement aux États-Unis avec seulement une application. Il suffit que moun ki applique pour lui-même lui répondre ensemble avec toutes conditions que l'État américain lui-même lui mandé pour programme humanitarian parole. Et nous pral parti ensemble avec panel Magic 9 qui te recevoir Friendly Denis Julien qui pral bay détail sous procès qui te fait nan jou qui saute passé ou là pour connaître est-ce que oui ou non y a campé programme humanitarian par ou là. Donc nous te gampé préoccupation programme humanitaire Biden nan et gagne plus passé une vingtaine et états américains surtout tous ces états républicains qui étaient menés administration américaine dans devant tribunal et semaine qui s'est passé et jeudi 24 août et ben gagne juge Joe Tipton qui a traité dossier qui était organisé première audience qui sont connait sous le déroulement procès ça qui était fait pendant deux jours semaine qui s'est passé. Alors, mon cher Femme, donc, et le cas a été fait commencer et il a été initié l'étude là, nous avons gagné une préoccupation pour qui ça, parce que le juge Tipton, son juge qui est réputé pro-républicain et son juge qui connaît les décisions qui pas vraiment gain pour avec la loi, qui plus gain pour avec et militantisme et politique. Et par exemple, c'est lui-même qui t'a trouvé que Dakar était inconstitutionnel, programme que il a été fait pour Simone qui était ici depuis Opitio. Et puis, l'administration a parlé avec les devant Cour suprême. La Cour suprême a trouvé que le juge l'a fait. Ouais. Donc, nous avons une préoccupation parce que c'est juste ça qui était sous dossier. Démocrate était même demandé au juge de retirer tête dans le dossier. Je ne suis pas d'accord. Mais, et avec le temps, de plus en plus, m'bavle, et tant qu'on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais de plus en plus, nous vînouais que, et juge-là, guin-lè prend un dossier ça très au sérieux, guin-lè juge-là, v'lait prendre une décision qui est basée sur la loi. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que, et dans le commencement, litige-là, État républicain a demandé, monsieur, pour balle, une décision provisoire, quand elle t'a campé, programme-là, en attendant que il a demandé un temporary injunction, en attendant que le prenne décision finale là, parce que il dit que le programme là est causé au gros préjudice, donc en attendant que il prenne décision finale, faut le camper programme là. Il était refusé ça et on était, ça a fait nous réfléchir. Maintenant, dans ce qui passe l'autre jour, deuxième bail qu'il faut appeler, non, c'est que bien avant audience 24 là, et juge là t'es déjà dit que li pa prend décision rapidement et que li pral bay parti yo et presque 30 jours environ pour que yo soumette document et argument et additionnel et avant le prend décision, ce qui permet que nous ouais que programme là continuer même après audience là parce que juge là pour qu'on prend décision. Maintenant et pour nous comprendre et ça cap fini c'est que et l'étude là est basé sur deux points que les républicains ont dit. Premièrement, ils ont dit que le programme là est violé de Administrative Procedure Act.
Administrative Procedure Act là, c'est une loi qui permet que et Congrès américain délégué capacité que le gain pour faire loi à pouvoir exécutif là à travers des organismes et autonomes dans pouvoir exécutif là. Par exemple, et c'est sous base ça que le département Homeland Security est capable de prendre des décisions dans le domaine d'immigration, par exemple. Et négo te dit républicain yo yo dit que et alors sous dire négo mon cap que c'est blanc n'a pas les deux que c'est noir c'est négo. Et vous avez vu pour tout c'est négo qui. Donc qui ça monsieur te dit yo dit monsieur dame républicain yo yo dit quoi comme ça que administrer les procédures acte là premièrement pour prendre une décision faut faire 60 jours que ou annoncer décision et pour bailler au moins 60 jours pour que public là qu'a fait commentaire avant la décision. Eh ben et démocratie te répond et forme de son argument qui était faible, démocratie te répond que administrative procedure act là gain deux cas côté qu'il fait exception à et affaire de commentaire ça c'est que premièrement l'op agir en cas d'urgence et t'ai urgence dans frontière là et deuxièmement lorsque on prend des décisions de politique étrangère ce qui est le cas parce que ce sont des décisions qui affectaient des nationaux d'autres pays complètement ridicule raciste etc et dans le droit américain et me passer tout partout tout au concept qui est similar les situated individual ça veut dire que faut traiter tout le monde même genre pour qu'ils soient trouvés programme là légal même programme là essentiellement et ou trouver légal pour Ukraine alors ou t'es même supporté alors que l'autre rive pour bail l'autre bail qui rive dans tribunal allô qui vient supporter administration. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que nous comprenons ça qui a passé hein. Donc l'impossible décision qui a pris pour le prendre jour dans mois novembre qui a venu là d'ici là programme a continué donc nous pas besoin perdre l'espoir et un bonjour avant mois novembre là quand bien même un jour qui était toujours gain environ 2 mois qui était ça qui veut dire 60 jours avant que on prend décision hein. Donc là nous capable continuer espérer rentrer aux États-Unis quand bien même. C'est là nous débute dans rubrique tout pour aujourd'hui. Rendez-vous casse dans mi-temps journée pour reste information d'ici là. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye à toutes.